Hey, Christine Boutin, grosse conne, grosse conne, ah, grosse conne, grosse conne, grosse conne, hôtel fusion, ça se fait tout seul, grosse conne, Christine Boutin. Je vais me faire démonétiser la vidéo par YouTube pour propos vulgaires, oui, mais d'un autre côté, si tu réfléchis un petit peu, grosse conne, ça défoule, grosse conne, ah, en plus, c'est même pas sûr, je veux dire, parce que si j'envoie une réclamation à YouTube en disant oui, mais c'était pour Christine Boutin, ils sont capables de me dire, ah oui, désolé, autant pour nous, on n'avait pas. Tiens, prenez de l'argent en plus. Non, grosse conne, Christine Boutin. Grosse conne parce que tu as tweeté cette nuit à 2 h du matin que Jacques Chirac était mort. Et pas mort. Ou en tout cas, s'il l'est, sa famille n'a pas encore envie de le dire. D'ailleurs, ils ont fait un communiqué sur Twitter à cause de tes conneries, là, il y a 2 h, en disant, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pourriez juste arrêter de dire des conneries, parce que Jacques Chirac n'est pas mort, il a une grave infection pulmonaire, mais là, on est avec lui. Et puis, quand bien même il le sera, est-ce que c'est peut-être à nous de l'annoncer, si vous voulez. Donc, à un moment, il faudrait. Hein, voilà, ça s'appelle respecter les familles. Ce serait gentil, merci pour ce moment. Hein, donc, non, mais non, elle n'attend pas, Christine. Et puis il faut voir la gueule du tweet. Visiblement, les caractères, maintenant, c'est payant sur Twitter. Attention, c'est parti. Mort de hashtag Chirac. Voilà, même pas le prénom, même pas monsieur. Je pense que mon ex-femme aurait fait plus gentil. D'ailleurs, c'est peut-être ça le problème, à mon avis. Hein. Ça sent le, comme dirait Fillon, le ressentiment personnel. Hein. Oui, ils ont un petit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'aimes pas, Chirac? Il n'a pas voulu te sauter, c'est ça, ma Christine. Ouais, à mon avis, c'est ça. Hein. Non, c'est bizarre. Bah, il aimait bien caresser le cul des vaches, mais non, visiblement, toi non. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, Christine. Non, mais franchement, je veux dire, tu aurais pu au moins dire, je ne sais pas, je suis sincèrement désolé d'apprendre la mort de Jacques Chirac, qui fut un grand président, dont je ne partageais pas les idées, hashtag rest in peace, j'en sais rien, une merde, une connerie, on ne demande pas de faire, oh mon Dieu, Chirac est mort, ah, et t'évanouir. Non, toi, tu t'évanouis de toute façon que quand il y a les caméras. Voilà, donc en fait, si tu veux, ce qui démonte ton tweet, là, Christine, c'est pas la mort de Jacques Chirac. Non, c'est la mort des 3 neurones qui devaient te rester. Et encore 3 neurones, je suis gentil, parce qu'à mon avis, pendant la distribution de cerveau, toi, t'étais parti pisser. Donc, c'était foutu dès le départ. Que c'est pas très gentil ce que je dis, oui. C'est pas très chrétien. Bah ouais. En même temps, toi, t'es censée être chrétienne, et là, niveau moralité, si, on se situe entre l'inquisiteur Torquemada et Gilles de Rais, à peu près. D'ailleurs, petite question, Christine Boutin, comment t'as su que Jacques Chirac était mort? Enfin, comment t'as cru qu'il était mort? Parce que personne ne l'a dit. C'est comment tu. C'est parce que tu te crois en communication directe avec Dieu, c'est ça? Donc tu penses que tu as des infos en prime time? Pardon, Seigneur? Jacques Chirac est mort? Je m'en vais le tweeter de ce pas. C'est pas Dieu qui te parle. C'est les voisins du dessus qui se foutent de ta gueule, Christine. Je te jure, le pays entier se fout de ta gueule. Hein? D'ailleurs, on va se foutre de ta gueule maintenant. Et on va lancer le premier épisode de l'opération Trollez-moi cette conne. Oui, dès qu'un homme politique va dire une connerie, on va lui dire ce qu'on en pense. Donc là, vous êtes 45 000 sur la page, hein, il est 14 h à peu près. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça très rapide. Vous allez tous prendre votre petit compte Twitter, hein, ou alors vous allez vous abonner, ça vous prend 30 secondes, puis ça vous servira pour les prochaines fois. Et vous allez dire à cette conne ce que vous en pensez, avec le hashtag Trollez-moi cette conne. Voilà. Hein, puis quand elle arrivera à 10 000 messages, parce que vous êtes 45 000, si chacun poste 2 messages. Et que vous, il y a 10% des gens qui jouent le jeu, on arrive à 10 000. Là. On lui flingue son Twitter. Donc on va lui dire ce qu'on en pense. Hein, puis abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça aussi, on va se faire une prochaine target bientôt. Un vrai champion. Là, je préparais une vidéo sur lui. Je me suis dit, tu sais quoi? Trollez-moi ce con, ce ne serait pas une mauvaise idée non plus. On va faire ça la prochaine fois. Allez, en vous remerciant, bonsoir. C'était un samedi soir, je m'étais paumé sur YouTube. J'ai vu cette vidéo qui faisait un sacré tube. Qui parlait des ovnis, alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas des conneries, ça ferait des milliers.